Comme vous l'avez vu précédemment, donc j'ai lavé mes cheveux donc avec le shampoing Kid It Clair de la savonnerie Sativa. J'ai laissé ensuite sécher dans une serviette bien absorbante que j'avais achetée chez Decathlon à l'époque. Ensuite, comme vous l'avez vu, je défais mes cheveux et j'applique 3 pompes de Vegan Curl sur mes longueurs, et j'en mets un petit peu aussi après sur les racines, en tout cas ce qu'il me reste sur les mains. Puis je viens démêler mes cheveux avec un peigne en bois. Il m'arrive également de temps en temps d'utiliser un masque ou un après-shampoing, tout dépend du temps que j'ai devant moi ou de la flemme du moment. En tout cas, je vous mets dans le petit i juste à côté ma dernière routine capillaire. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui jeudi 11 avril, je viens de me préparer, je suis prête pour attaquer ma journée. Je pense qu'on va passer quelques instants ensemble, en tout cas aujourd'hui, parce que j'ai des petites bricoles à faire, j'aimerais bien peut-être un peu cuisiner en avance ou quoi. Voilà, entre deux rendez-vous et tout ça. Alors attendez, j'essaie de m'installer un peu parce que j'ai fait ma séance de step hier et j'ai mal un peu partout. Mais bon, voilà. Et donc, comme je vous le disais, on va passer, je pense, quelques instants ensemble aujourd'hui. En tout cas, je vais essayer de filmer. Parce que je vous dis des fois, j'y pense pas, ou des fois ça m'enquiquine en fait de sortir ma caméra quand je filme des recettes ou des choses comme ça, parce que du coup ça prend beaucoup plus de temps. Parfois il faut changer l'angle, enfin la lumière est pas bonne, enfin on voit pas trop bien, vous voyez, on est à contre-jour, tout ça. Donc c'est pas toujours ultra facile. Donc c'est vrai que des fois ça m'arrête en fait, tout simplement. Et mais là voilà, aujourd'hui j'aimerais faire un banana bread parce que on a entraînement ce soir. Et maintenant, j'y suis pendant 4h30 à l'entraînement le jeudi. Donc, je vous avouerai que j'aime bien quand même avoir un petit quelque chose à emmener avec de temps en temps, parce que j'ai pas toujours le temps de goûter entre la fin de mon dernier rendez-vous et le temps d'aller au dojo, en fait. Et aussi parce que j'aime bien en ramener quelques morceaux avec. Et aussi parce que j'aime bien en avoir à la maison. Et là, j'ai deux bananes qui sont un petit peu en train de mourir. Et j'aime bien parce que je sais que je vais pouvoir me faire un banana bread que j'adore. Et je vous mettrai la recette en barre d'infos. Enfin, dans l'article relié qui se trouve en barre d'infos. La recette est sur le blog depuis, je ne sais pas, des années et des années, puisque ça fait très longtemps que j'en fais. Au fur et à mesure, j'ai un peu réajusté peut-être la proportion d'ingrédients, au niveau un peu de la recette, des rajouts, enfin voilà, au fil des années, on le perfectionne un petit peu. Et puis là, je le trouve vraiment très très bon. Et j'ai eu des super retours dessus. Donc maintenant, je pense que voilà, j'ai à peu près ma recette de prédilection. Donc voilà, et j'ai fait tremper des lentilles aussi que je vais faire cuire aujourd'hui. Et peut-être je me ferai, je sais pas, une bolognaise de lentilles. J'aimerais bien essayer la petite recette de boulettes de lentilles que j'avais vu passer il y a un petit moment déjà sur la chaîne d'Isadora et Marisa. Je sais pas du tout comment on les fait, je sais même pas, il faut que je regarde d'ailleurs si j'ai tous les ingrédients. Enfin, ça doit être assez simple en général, et comme toutes leurs recettes d'ailleurs. Et donc si j'ai ce qu'il faut, je verrai si j'ai le temps encore de faire ça aujourd'hui. Et puis, et sinon, je voulais vous dire aussi, cette semaine, j'ai massé une coiffeuse. Et je savais pas qu'elle était coiffeuse. C'était une dame à qui on avait offert une carte cadeau et donc qui venait chez moi pour la première fois. Et à la fin du massage, juste avant qu'elle parte, elle m'a complimenté sur mes cheveux et ça m'a fait tellement plaisir. Elle m'a dit que j'avais bien fait d'arrêter les couleurs et que mon gris, voilà, était très, très, très joli, que j'avais de beaux cheveux et que ça m'allait très, très bien. Bah écoutez, ça m'a fait très plaisir. D'autant de la part d'une coiffeuse, surtout elle qui était très, voilà, elle était très apprêtée, très pomponnée quand elle est arrivée. Et moi qui suis un peu tout le contraire finalement, mais écoutez, ça m'a vraiment beaucoup touchée. Et voilà. Écoutez, sur ce, je vous laisse là. J'ai deux, trois choses encore à faire avant de commencer ma journée. J'ai un peu de rangement à faire aussi, encore du linge à plier. Enfin voilà, des petites bricoles que l'on fait toutes à la maison. Et puis, on se retrouve un petit peu plus tard dans ce vlog. Alors, cette sauce, elle est toute simple. C'est pour ça que je n'ai pas filmé en le faisant, bien que j'aurais pu le faire. Donc, une boîte de tomates concassées, un petit peu de purée de tomates. Donc je mélange tout ça, ensuite je rajoute les épices que j'aime bien. Moi j'ai mis également quelques olives noires parce que j'en raffole.
Et puis une petite pointe de sucre aussi pour casser l'acidité de la sauce. Alors après, vous pouvez rajouter un petit peu de crème fraîche aussi si vous le souhaitez. Et donc, dès que mes lentilles donc, seront cuites, j'en mettrai donc dans ma sauce et ça me fera des délicieuses spaghettis bolognaise, mais bolognaise de lentilles. Voilà, maintenant que ça c'est en route, je vais laisser chauffer ça tranquillement. Et puis je vais continuer mon montage, celui du précédent vlog, parce que ça fait un très long moment que... Bon, ma batterie était pleine au moment où je vous parlais. Donc je viens de m'installer. Je ne sais plus d'ailleurs même qu'est-ce que je vous disais déjà. Oh, la lumière ici, c'est... Alors cette maison est absolument fantastique parce qu'il y a de la lumière partout, il y a des fenêtres partout et c'est absolument génial parce que même quand il fait gris, ça reste quand même lumineux. Par contre, bah quand on fait des vidéos YouTube, c'est un peu la galère les amis, mais voilà, hein, on ne vit pas dans une maison YouTube non plus, hein, parce que YouTube c'est pas la vie quand même. Donc là, je suis en train de faire le montage donc du vlog, ah, c'est ça que je vous disais, et ça fait quand même plusieurs semaines que je vous ai rien publié, et donc là, ben, ce serait cool que je mette toutes ces petites images ensemble, et que je termine en fait le montage de ce vlog, comme ça vous pourrez avoir un vlog ce week-end, parce que je suis sûre que ça vous fera plaisir. Voilà, donc je m'y mets sans plus tarder, et puis je vous dis à plus tard. Que ça sent bon, Pézou. Amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin donc dans la cuisine pour préparer des petites boulettes de lentilles. Alors attendez, j'essaye de en même temps d'ajuster la luminosité, c'est ce que je vous expliquais hier. C'est un peu compliqué dans cette cuisine, mais on va faire avec. Donc hier j'ai fait le banana bread et j'ai fait cuire des lentilles en même temps. Et du coup là mes lentilles sont refroidies. Donc je les ai faites égoutter et je les ai laissées là en attendant de m'en occuper aujourd'hui.
Comme je vous l'expliquais peut-être hier, donc ce matin j'aimerais bien tester la recette de boulettes, donc de lentilles d'Isadora et Marisa. J'ai vu passer cette recette depuis un petit moment sur leur chaîne et je me suis dit, ouais, mais ça a l'air trop bon. Moi j'aimais bien quand je mangeais encore de la viande, faire des soirées spaghetti boulettes comme on appelait ça, donc dans une sauce tomate, tout ça. Et souvent, en fait, je les achetais déjà prêtes, mes boulettes, mais c'est vrai que là, le coût de la vie, il a vachement augmenté. Et donc, c'est vrai que c'est un petit plaisir que je ne m'offre pas souvent, finalement. Et là, je me suis dit, si cette recette-là, elle pouvait remplacer mes petites boulettes, ce serait plutôt cool, parce que j'adore cette recette, c'est facile à faire. Et c'est vrai qu'on peut en faire d'avance, on peut les congeler. Donc là, je ne sais pas exactement combien j'en ai en grammes, mais peu importe, voilà, je vais ajuster un petit peu les proportions. Il y a une partie de mes lentilles que j'ai mis hier dans ma sauce tomate pour faire une bolognaise donc de lentilles. Et puis l'autre partie, alors des fois je les congèle, ou ça m'arrive aussi de les faire en genre de parmentier en fait de lentilles. Et donc je remplace tout simplement la viande hachée par des lentilles. Ensuite je mets une couche de purée. Et après, en fait, alors vous pouvez mettre du fromage, que ce soit végétal ou non. Après, voilà, c'est à vous de voir et à vous d'adapter, en fait, ces petites recettes. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Bon, là, pour le coup, j'avais envie de tester cette recette de boulettes. Puis comme ça, je pourrais aussi m'en congeler et en avoir d'avance pour des repas un petit peu improvisés ou vite fait. Donc, écoutez, c'est parti. Hein, on va démarrer. Et puis, je vous mettrai de toute façon dans l'article relié... le lien vers la chaîne ou vers le blog, voilà, d'Isadora et Marisa. Les filles, si vous passez par là, je vous fais des gros bisous, des bisettes comme vous dites. Ça fait très longtemps maintenant que je les suis, ça doit faire pratiquement depuis leur début je crois. Elles faisaient déjà partie de mes chaînes favorites et vraiment en fait je les adore quoi. C'est deux petits rayons de soleil et puis et j'adore en fait ce qu'elles proposent, leur contenu et tout. Donc autant partager avec vous si vous les connaissez pas encore, ce qui m'étonnerait beaucoup. Mais voilà, ça fait toujours plaisir de partager un peu. Donc écoutez, c'est parti, on va s'y mettre tout de suite. Alors je vous montre juste le banana bread. Voilà ce qu'il en reste. Hein, on l'a bien mangé hier, il était super bon. Et donc là, c'est une recette en fait qui est vegan. Donc c'est une recette sans œufs que vous pouvez retrouver sur mon blog. C'est pareil, je vous la mettrai donc... l'article relié, c'est toujours le premier lien ici dans la barre de description. J'aime pas tout détailler ici en fait dans la barre d'infos parce que comme j'aime bien faire un article sur le blog, je trouve que c'est bien d'avoir tout sur l'article. Il vous suffit de cliquer du coup sur le lien donc qui va vous renvoyer vers l'article. Et dans l'article, je vous mets en général tous les liens dont je vous parle dans la vidéo, comme ça... Voilà, tout est répertorié au même endroit. Pour moi, c'est plus simple, sinon ça me fait faire deux fois le travail. Et j'avoue que je n'ai pas le temps de le faire. Voilà, ça m'enlève une petite charge de boulot. Donc c'est parti, on va commencer à cuisiner ensemble. Alors, quand on est toute seule pour filmer, on s'adapte. Hein, et puis, on est obligé de tout faire tout seul. Donc du coup, les plans, ils ne sont pas toujours les plus jolis. Mais bon, voilà, on va faire avec. Alors, hop, juste que je me... repère. Donc là, donc j'ai mes lentilles, comme je vous le disais, je ne sais pas combien j'en ai en quantité, puisque voilà, c'est ce qui me restait d'hier et je vais utiliser, je pense, tout ça pour faire les boulettes. Donc on aura besoin de lentilles, donc de la farine de pois chiche. J'ai pris la même que les filles préconisaient dans leur vidéo, déjà parce que j'en ai à la maison. J'adore cette farine-là, moi j'en fais plein de choses et en plus c'est une source supplémentaire de protéines que je vais apporter donc à ma recette. Ensuite, moi pour le côté un petit peu fumé, je vais mettre ça en fait, c'est du liquid smog, c'est un fumé liquide en fait, et ça donne un petit goût de fumée en fait à toutes vos préparations. Alors il faut en mettre vraiment que quelques gouttes parce que c'est très très fort, moi ça fait plusieurs années que je l'ai, j'avouerai que je ne fais pas attention à la date, je l'utilise parce qu'au goût encore et à l'odeur il sent très bon. Et en tout cas c'est vraiment pas mal dans les préparations, je l'utilise aussi parfois dans les marinades ou même dans quand je faisais mon seitan. Donc là j'ai plus de gluten de blé à la maison, faudrait que je m'en rachète, mais voilà. Ensuite je vais mettre de la coriandre
Alors, ce sera de la coriandre en poudre puisque c'est des petits grains secs. J'adore ça et moi, j'aime pas du tout la coriandre fraîche. Je vais utiliser de l'ail de feignante, hein, donc de l'ail qui est déjà en poudre. Et là, je vais utiliser aussi donc du ras el hanout. Je vais prendre les deux là, je vais faire un petit mélange parce que les deux n'ont pas du tout la même saveur en fait. Et comme ça, j'en mettrai un peu des deux. Comme je n'ai pas de cumin, je verrai peut-être que je rajouterai un petit peu de. Là, c'était, je crois que c'était du garam masala, ou je ne sais plus. Enfin bref, voilà, je vais essayer de m'arranger avec tout ça. Je sais que ce sera de toute façon super bon. Et puis un œuf, pareil, pour aider avec la farine à lier le tout. Donc c'est parti. Eh bien écoutez, on s'y met. Alors, je vais utiliser ce plat-là pour faire ça. Comme ça, si j'ai besoin d'écraser un petit peu, je pourrais le faire tranquillement dans le fond et je ne serai pas dérangée. Comme vous le voyez, j'en ai vraiment une belle quantité de lentilles. Alors, moi, j'aime pas touiller avec une cuillère en métal, donc j'ai pris ma petite cuillère en bois. Donc là, je vais mettre quelques gouttes de fumée liquide. Je vais juste m'essuyer les mains parce que ça tâche. Je vais mettre généreusement de l'ail en poudre. Moi, de toute façon, j'aime beaucoup quand c'est bien relevé, bien épicé. Donc, j'ai pas peur d'y aller franchement. Donc, de la coriandre. Ça sent déjà super bon. Voilà. Ensuite, je vais mettre un petit peu de ce ras el hanout là. Alors oui, moi je fais tout au pif, hein. Moi je n'aime pas du tout mesurer. Et je vais mettre un petit peu. Voilà, de celui-là. C'est marrant quand même que d'une recette à l'autre, ils n'ont pas du tout la même odeur en fait. Bon, c'est pas grave, hein. Donc je mélange déjà un petit peu. Alors moi par contre je vais saler et poivrer parce que peut-être pas saler parce que j'avais mis un petit peu de sel en fin d'eau de cuisson. Par contre je vais poivrer un petit peu. Oui, je sais, je suis très généreuse, mais moi j'aime ça. Voilà. Ça sent très bon. Je vais rajouter ensuite donc la farine. Alors, je pense que c'est pareil si vous êtes végétalien, vous pouvez tout à fait remplacer l'œuf par autre chose et vous faire plaisir également avec ces petites boulettes. Voilà, je pense que maintenant je vais écraser un petit peu aussi. Dégainer moi aussi mon presse-purée. Ça me fait penser que ça fait longtemps que j'ai pas fait de purée maison et j'adore ça. Je vais quand même laisser quelques petits morceaux dedans. Je vais pas trop écraser non plus. J'ai bien fait un petit peu de texture encore. Mélange.
C'est quoi? C'est tes croquettes? Oh, regardez! Oh, qu'il est content! Regardez! Je lui ai racheté un petit Kong. Je crois qu'on l'a perdu pendant le déménagement, l'autre. Tu l'as vu? Tu veux ton Kong? Tu veux les jouer? Oh, ils adorent ces jouets. Je ne sais pas si vous connaissez. Mais voilà, vous voyez qu'il est tout heureux. Je ne sais pas si vous connaissez ces jouets. En fait, on peut mettre... Oui, je vais te le donner, Pépère. On peut mettre une friandise là à l'intérieur. Et du coup, en fait, les chiens, ben, ça les occupe super longtemps parce que ça les amuse. Oh, il y a la tête qui me fait... Oui, tu vas la voir. Attends, j'explique d'abord. Et donc, on peut mettre des petites friandises à l'intérieur. Et le chien, en fait, il s'amuse pendant un petit moment avec. Ne regardez pas, je suis en train de voir. Il y a plein de poils partout. Je n'ai pas encore passé l'aspi. Oui. Et en plus, ça rebondit. Tu es prêt? Tu es prêt? Tu le veux? Tu es prêt? Et voilà. Donc voilà, avant que le livreur nous interrompe, c'est bien, il est arrivé juste au bon moment. Du coup, juste avant que je mette les miettes en fait, dans les boulettes. Donc on va façonner ensemble les boulettes. Je suis en train de me demander si un œuf c'était assez du coup, comme j'ai une grosse quantité de lentilles. Je vais faire un petit test et si jamais c'est pas assez, voilà, je réhydraterai un petit peu plus encore. Alors, je ne vais pas les faire trop grosses non plus. Ah non, ça va tenir, c'est bien. Voilà. Moi, j'aime bien les petites boulettes. Et là, il y a Braise à côté de moi en train de regarder ce que je fais. Je vous le montrerai bien, mais du coup, maintenant, j'ai les mains sales. Voilà, donc je vais prendre le temps de bien former les boulettes. Vous entendez un peu le bruit du four derrière en fond, hein, ouais, c'est comme ça. J'étais en train de me dire pendant que je les faisais, je crois que j'essaierai cet été aussi, une fois que ma menthe du fond du jardin aura bien poussé. Je pense que je mettrai peut-être, alors je sais pas si je mettrai peut-être du razel à noutre, mais du coup, ouais, du cumin dedans. Il faudra juste que je pense à en acheter. Du cumin dedans et effectivement de la menthe fraîche, je pense menthe ou persil, voilà, ou un petit mélange des deux, je pense que ça pourrait être très sympa. Et à manger chaude ou froide, accompagné peut-être d'une salade ou d'un petit fromage blanc aromatisé, style un peu tzatziki, vous voyez, avec des concombres dedans, un truc assez frais, je pense que ça peut vraiment être sympa à manger. Et du coup, je pense que je retenterai. En tout cas, là, c'est cool. Elles sont toutes au four, vous voyez, j'en ai fait une belle quantité, donc il n'y a vraiment pas besoin de se dire il en faut tant, il en faut tant. Voilà, si vous cuisez vos lentilles, cuisez-en une grande quantité, puis comme ça vous pouvez l'utiliser pour faire plusieurs recettes différentes. Donc là, ça part maintenant pour 20 minutes au four. Pendant ces 20 minutes, eh ben, je vais finir de charger le vlog, le précédent vlog sur YouTube. Peut-être commencer mon article aussi. J'ai l'aspirateur à passer, du coup, les croquettes à ranger aussi. Et voilà, on se retrouvera du coup juste après. Et alors, je les mangerai peut-être pas aujourd'hui, je pense, parce qu'il me reste encore de la bolognaise d'hier et j'aimerais bien finir ça à midi. Et en tout cas, je serais ravie de les congeler et de les tester de différentes manières. Donc, une fois sous forme donc, de ce que je vous disais, spaghetti boulette, parce que vraiment, c'est une recette que j'adore. Et enfin, une recette, un repas que j'adore, j'en salive même. Et du coup, je pense que je testerai aussi une version gratinée au four comme elles l'ont fait dans la vidéo pour accompagner je ne sais pas quoi, peut-être juste effectivement pour manger comme ça avec une bonne tranche de pain. Je verrai.
En tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura plu, cette petite recette. Je vous montrerai tout ça quand elles sortiront du four. J'ai hâte de voir et surtout de sentir comme ça va sentir bon. C'est vrai qu'à travers ces vidéos, la seule chose qui manque un petit peu finalement, c'est l'odeur en fait, c'est le parfum. Parce que pareil, quand j'ai cuit le banana bread hier, bon après je suis partie aux arts martiaux. Et du coup, quand mon fils était rentré, ben moi j'étais déjà plus là. Et quand il est rentré, donc il me l'a dit ce matin, il me dit « Oh, j'ai mangé une grosse part de gâteau hier. » Il dit « Ça sentait trop bon quand je suis rentrée. » Bon ben voilà, c'est vrai que ça embaume super bien et on adore cette recette à la maison. Voilà, donc je vais faire ma petite vaisselle, mon petit ménage, tout ça. Et puis on se retrouve un petit peu plus tard.